Reste là. Toujours ces petits papiers dont je veux pas. Ah. Vous savez lire ? Xavier Delaporte. La tête dans la toile. C'est un titre qui est parfaitement menteur, Xavier Delaporte. Je sais pas si c'est la tête qu'il a dans la toile. Je crois plutôt qu'il aurait le corps tout entier dans la toile jusqu'au bout des orteils. Et par contre, qu'il a la tête qui surnage et qui est capable de nous en parler. Xavier Delaporte. Type qui a fait Normal Sup. Ça arrive à tout le monde. Enfin bon, pas tout le monde, mais... qui se prédestinait pas du tout à ça. Il fait un stage à la radio. C'était du temps de Bruno Patineau, encore. Je crois même qu'ils étaient plutôt dans les chroniques, peut-être pas le sport, mais en tout cas les fêtes de société, des choses comme ça. Et puis, en parlant du net, Patineau le balance et crée cette émission qui est pour nous devenue une sorte de légende. Est-ce qu'il en parle même ici? C'est, oui, quand même, il le marque. Vous voyez que Xavier Delaporte est journaliste, rédacteur en chef de Rue 89. Malheureusement, je crois que c'est fini. Essayiste et chroniqueur de radio. Il a produit l'émission Place de la Toile sur France Culture. Et il y a un an, France Culture a supprimé Place de la Toile. Il y a quelques ersatz qui ressurgissent. Peut-être c'est plus profond que ça. Peut-être que le web est tellement dans nos pratiques générales qu'il n'y a pas besoin d'une émission sur Internet. Hervé Le Cronier, un grand de la réflexion aussi sur les communs, le libre et tout ça, qui a monté à Caen sa propre maison d'édition. Là, évidemment, il a été chercher un petit peu de sous, de France Culture a participé. Donc, merci Hervé d'avoir rassemblé ce travail que Xavier Delaporte mène en même temps sur, vous savez, Internet Actu, mène aujourd'hui en version soft, mais bon, je crois qu'il a été viré depuis sur Rue 89. De l'art dans les paysages de Google. Petit précis de vocabulaire pour ne pas boire la tasse sur Internet. Ukraine, de la rue à Wall Street, en passant par les réseaux sociaux. Ce que les technologies changent au récit. Là, je me souviens de discuter de ça. Hypothèse, l'informatique change notre rapport au nombre. Canulars et chasseurs de canulars. La critique d'Internet comme nouveau cul des vaches. Mes parents et l'ordinateur, l'informatique racontée par un enfant. Petit précis de vocabulaire pour ne pas boire la tasse sur Internet. Et il y en a pas 500 pages. Oh les mecs, vous déconnez, il y a 497 pages seulement. Il y aura un lien pour l'acheter, le bouquin, le commander directement sur mon site. Bon sang, passez pas à côté. Ça aussi l'enjeu. On intervient sur la toile. Il y a des mecs comme ça qui se mettent en avant. Xavier Delaporte en fait partie. Et il y a des types aussi qui propulsent comme ça. Par exemple, ce site essentiel mené avec fondé par Xavier Delaporte et Hubert Guillot qui s'appelle Internet Actu. Et à un moment donné, passez à l'autre étage. Je crois que ce sera ça le titre de la chronique. Passez à l'autre étage.